Coucou, mes doudous. Ah, attendez, s'il vous plaît, donnez-moi une minute, mes bébés. Coucou, mes doudous. Le goût de sa maman. Le goût de sa maman. Eh bien, coucou, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va partager le direct dans la paix du Seigneur. Sortez partager le direct. J'ai reçu hier des messages dans mon inbox. Farid, Farid, bonsoir mon amour. J'ai reçu hier des messages dans mon inbox. Sous prétexte qu'on me dit de me mêler de ma vie, au fait. Mais au fait, moi, il n'y a pas de vie. Je ne sais pas si vous êtes sourd ou bien je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de vie. Donc, la vie des gens qu'ils emmènent sur les réseaux sociaux-là, c'est dedans nous, on va s'asseoir. On dit quoi, Minata, mon amour? Partagez le direct, famille. Partagez le direct. Partagez le direct. Oui. On va d'abord partager le direct avant de rentrer dans le but du sujet. Voilà. On va partager le direct. Et après avoir partagé le direct, on va rentrer dans le but du sujet. Parce que. Il y a certaines choses que moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que on est assis dans nos maisons. On est assis, c'est-à-dire qu'on est assis chez nous. Fille de l'Éternel, bonne arrivée, mon cœur. On est assis dans nos maisons. On est assis chez nous. On dit quoi, Amine, mon bébé? Mariam la Saoudienne, bonne arrivée. Bonne fête de Saint-Valentin à vous aussi. C'est-à-dire que nous, on est assis dans nos maisons, José. On dit quoi, mon amour de petite soeur? Bonne fête de Saint-Valentin, Mimi. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Vous comprenez? Parce que hier, après mon live, j'ai reçu des messages en inbox en me disant que non, Santi, faut pas parler des dents. Tu sais pas comment c'est une histoire de couple. On dit quoi, mon amour, né? J'espère que tu vas bien, mon cœur. En disant que non, merci, ma petite soeur, Mimi. Partagez le direct, famille. C'est vrai, ça fait au moins quelques temps que vous m'avez pas vu en live. J'étais très, très malade. Voilà. Voilà, la santé d'abord. Hein. Voilà, donc là, on va partager le direct. C'est vrai, mes pages ont des problèmes. C'est pas vous. Toutes mes pages ont des problèmes. Voilà. Jusque je viens de créer aussi une nouvelle page. Mais j'attends d'abord qu'il y ait un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire les lives là-bas. Mais pour l'instant, on va se débrouiller ici. C'est pas grave. Voilà. Donc, comme je disais, nous là, on est assis chez nous. C'est-à-dire que vous dites que nous là, on ne peut qu'à se mêler de notre vie. Mais nous-mêmes, on n'a pas de vie. Est-ce que vous comprenez le truc ou pas? C'est-à-dire que nous, là, on n'a pas de vie. On est assis chez nous. Tu quittes ton histoire de couple dans ta maison que vous pouvez régler entre vos deux murs et que tu ramènes sur Facebook. Nous, les papatos, nous, les Jerry, nous, on ne t'a pas demandé ton avis, là. Nous, on va plus s'exprimer sur la situation. Parce qu'il y a des situations qui sont très délicates. Normalement, je devais être habillée en rouge. Ah bon, mon cœur? Donc, demain, je m'habille en rouge, alors. Ma petite sœur. C'est-à-dire que nous, on est assis chez nous. On ne vous a rien demandé. On n'a rien à foutre au fait avec votre vie, au fait. Marie-Laure, bonsoir. Christelle Kwame, bonsoir. Nous, on n'a rien à cirer de votre vie, au fait. On n'a rien à cirer de votre quotidien. On n'a rien à cirer de ce que vous mangez, vous vivez. Quand certaines personnes s'asseyent aujourd'hui pour dire que oui, vous êtes jaloux de José parce que José vit l'amour avec Sérédier, donc ça vous fait mal. Vous êtes très stupide. Parce qu'en tant que femme, en tant que quelqu'un qui est une femme qui a un cerveau, qui a de l'intelligence, tu ne peux pas concevoir le sale comportement de José. C'est pas parce qu'elle est l'artiste que vous allez concevoir sa bêtise. Parce que ce que José fait, c'est de la bêtise. Que vous le vouliez ou pas, on va parler fort. Ça va rentrer dans vos oreilles. Vous avez sauf qu'à assumer. Vous avez sauf qu'à accepter. Vous n'avez pas le choix. Aidez-moi là, c'est pourquoi. Il n'a même pas encore commencé, toi qui m'intéresse des mots. Faut commencer à prêter tes quintaux. Hein? Après tes quintaux, tu vas me nier des mots même bientôt. Attends, il vient. Attends, il vient. Il a pas de mon live. Pardon le direct, famille. Il a pas de le direct, mon live. Et puis, il est bien rentré dans le but du sujet. Comme ça, là. Tu as bien mes têtes des mots, là. Faut t'asseoir, il vient. Attends-moi. Il vient. Attends-moi, il vient. Hein? Faut pas bouger, hein? Tête des mots. Faut pas partir quelque part. Attends-moi. Quand c'est vous encouragez la bêtise. Parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok. Une dame qui a répondu à, comment on appelle, à Aya Robert. Elle t'appelle Aya Robert. Oui, parce que moi, j'ai dit, je ne suis plus dans
dans les bavardages inutiles. Je vais t'appeler Aya Robert pour que tu puisses comprendre. Tu allais répondre sur une vidéo par rapport à José, au fait. Et tu as dit dans la vidéo que la dame expose son mari. Et pourquoi la dame refuse? Pourquoi la dame refuse que José expose sa part de foyer? On est d'accord? Mais je vais t'expliquer quelque chose, Aya. Je comprends ta situation, Aya, parce que toi, tu es quelqu'un, ton enfant même, c'est incertain. Tu vois, non? C'était incertain. Donc, tu étais dans le doute qu'un jour, tu allais devenir mère. Et si aujourd'hui, tu es mère célibataire, c'est pas parce que tu le désires, mais c'est parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'en tant que femme, en tant qu'une femme, quand tu pries ton Dieu, tu demandes ce que Dieu te mette un homme sur ton chemin avec qui tu auras tous tes enfants, et que cet homme-là te dépose dans ta maison, et que tu veux aussi te faire appeler madame. Mais quand tu arrives dans la circonstance dans laquelle que toi, Aya Robert, tu te retrouves aujourd'hui avec un enfant sur la main et en tant que mère célibataire, je comprends ton opinion vis-à-vis de José. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu es dans le « aide-moi à détester ». Tu vois la vérité, Aya Robert, mais tu tournes autour du pot. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que José est en train de faire à Alina. Toi-même, en tant que femme, toi, Aya, que nous, on connaît sur Facebook ici. Toi, Aya, que nous, on connaît ta manière de charger à faire. Si c'est à toi que ta camarade femme avait fait ça, et que toi, tu étais à la place de Alina, on n'allait pas respirer sur Facebook ici. Oui. Donc, quand il y a la vérité souvent, même si vous êtes des fanatiques, même si vous aimez vos fans, même si vous adorez vos fans, quand vos fans sont dans la bêtise, dites-leur que vous êtes dans la bêtise. Vous comprenez? Quand vos fans font des sauvageries, dites qu'elle est dans la sauvagerie. Parce que toi, Aya Robert, que moi je connais, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas concevoir le comportement que José a envers Aline. Nous, on ne parle pas parce qu'on est jaloux. Jalousie de quoi? Jalousie de quoi? Jalousie de Restangolo. Restangolo, tu es là, tu transpires, tu conspires. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, toute la décision finale, ça vient d'Aline. Si Aline dit qu'elle divorce pas, elle divorce quoi? Elle divorce pour elle, ne veut pas divorcer. Et tu seras toujours la woub. Tu seras la Kiza interplanétaire. La Kiza reconnue. La Kiza acceptée aux yeux du monde. Oui, mais à la mairie, là, tu ne vas pas mettre tes pieds là-bas. Oui. Donc, il faut te trémou. Quand je vois toi, Aya Robert, tu allais faire loupos. En tant que femme, pourquoi vous aimez toujours soutenir la bêtise? Non, moi, je me mets à la place d'Aline en tant que femme. On n'a pas dit qu'on va faire palabre d'Aline. Parce que quand Aline se croisait, elle serait dit là. Elle n'est pas venue demander ma permission, il n'y en a rien à foutre. Mais nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans la théorie. Là, on est dans la pratique. Partagez le direct, mettez le cœur famille. Mettez le cœur famille. Partagez le direct. C'est maintenant direct, ta main va bien commencer. Adama. C'est maintenant même mon live va commencer. Attends, et viens. Il a branché mon téléphone, ça là. Voilà. Je suis à vous. On n'est plus dans la théorie. Là, on est dans la pratique. Parce que vous confondez la théorie et la pratique. Vous comprenez? C'est vrai qu'elle est là. On ne l'empêche pas d'être José. Mais on lui demande de le faire dans le respect. Et toi, José, en tant que femme, même si c'est vrai que c'est un homme, toi, tu es une femme. Si c'est vrai que tu as dit que bébé, on n'a qu'à faire comme ça. Il faut prendre ton intelligence de cerveau, de moineau, d'artiste. Ta musique, tu as deux balles. Tu chantes tous les mêmes sons sont pareils là. Tu chantes ta propre vie, mais tu ne détermines pas ce que tu chantes là. Si moi j'étais à ta place, elle dit à Serré, Dieu bébé, vraiment, je sais que tu m'aimes, moi mais je t'aime. Toi et puis moi, on est collés serrés. On est ensemble jusqu'à l'as. Mais comme tu es encore marié à une tierce personne, pour le respect de cette personne, j'aimerais que même si on s'affiche, mais pas déborder les choses. Ça veut dire que tu as fait loup poésie. On parle de soi. Toi, Aya Robert, tu as sorti là-bas. Moi, je te comprends. Toi, où tu es là, tu es frustré. Parce que le fait même d'être nourrice. Et puis, il y a un mari à côté pour négliger ton petit clic-clic là, pour te truc un peu là, ça te mélange un peu le cerveau. Parce que toi, Aya Robert, en tant que femme, tu dis que tu défends les causes nobles ici. Tu dis que tu défends les femmes. Mais dans cette situation-là, tu préfères prendre parti pour José. Parce que tu es en quête d'amitié, tu es en quête de Stamania, tu es en quête. Parce que quand ton anniversaire arrive là, José te poste. Donc, ça t'a marqué, ça t'a traumatisé. Donc, tu vois José dans les bêtises. José en train de faire de la connerie, mais tu soutiens José. Mm-hmm. Tu soutiens José. Ah, mais c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça. Toi, Aya Robert, tu allais t'asseoir sur la vie de la personne du Facebook. On te connaît ici. Mettez les pères famille, sécurisez le direct. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça à une autre femme ici, là, toi, Aya Robert, tu allais t'asseoir sur la vie de la personne. Tu allais faire gossip. Tu allais même louer les. Comment on appelle même les Bouddhas pour
aller vérifier la vie de la personne pour t'envoyer tous les papiers de la personne. Ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que tu es en train d'encourager aujourd'hui José à faire. Oui, Aya Robert, ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que tu es en train d'encourager José aujourd'hui à faire. Parce que quoi, José, c'est ta personne. Et vous avez un sale comportement sur la toile. Parce que vous aimez quelqu'un. Quand la personne est dans la personne fuck up, vous n'êtes pas prêt à dire à la personne que tu as fuck up. Oui, quand tu aimes quelqu'un, que la personne fuck up, et au moins l'aimabilité, puis la reconnaissance et l'intelligence de dire à la personne que vraiment, ma star, je t'aime trop, tu es ma star même, tu es ma star d'amour. Tu es ma star. C'est-à-dire que quand tu chantes comme ça, la folie prend mon Bouddha. C'est grâce à ta chanson, mais qu'il n'y a plus ton main scène. Tellement que ça me rentre dans le corps. Mais ma star, aujourd'hui, elle t'a faux corps. Et ça va vous faire du bien. Parce que avec ce comportement que vous avez là, vous ne pourrez jamais aller nulle part. Oui. Vous ne pourrez jamais aller nulle part. Parce que quand toi, y a, tu n'aimes pas quelqu'un et que la personne a faux corps, tu as ta soie sur la personne. On dirait femme baoulée qui est en train d'écraser le médicament de Djokwadjo. Tu as exposé sa vie parce que tu n'aimes pas cette personne. Tu ne supportes pas cette personne. Tu comprends? Donc moi, je ne peux pas concevoir le comportement de José envers ma camarade femme. Parce que moi-même, c'est Aline, moi. Hein. Toi, José, tu es tombé sur bonne femme. Hein. Moi, que musique va te dégoûter. Tu as chanté jusqu'à... C'est toi qui as chanté pour le jugement dernier. Vous comprenez? Soyez réaliste dans la vie. Oui, en tant que femme, voyons la vérité en face. Et puis, dis, oui, José, tu as fuck up. Et c'est la vérité. Toi, José, tu es trop belle, quoi. Toi, tu es belle. Tu n'es pas belle, hein, ma chérie. Hé, hey, tu as fait enfant, là, c'est l'on entend et voit ton José. Enfant, tu n'es pas enfant, non. C'est mer... On dit, chaque femme, là, c'est quand tu finis de faire accouchement, on voit la beauté d'une femme. C'est maintenant, toi, José, entend et voit ton José, yéré. Partez le direct sécurisé, famille. C'est maintenant, toi, José, on est en train de connaître ton José. Ou bien, c'est maintenant, on est en train de connaître ton José. Donc, ce que tu as fait à ta camarade femme, on peut penser que c'est parce que tu es la plus belle. Ma chérie, c'est pas beauté. Beauté, on fait rien, ça. Aline, elle est belle naturellement. Elle a 5 enfants. Toi, tu n'as pas encore fait 3 enfants, 2 enfants. Tu es devenu, on dirait Dokunu mal séché. Ta forme, tu es devenu, on dirait Néré. On dirait un marteau de Eastman. Tu es en train de donner des bouteilles qui sont en fond de feu. 2 enfants, hein, ta camarade a fait 5. Quelle fila saba nani lorou. Toi, tu as fait quelle fila. Tu es en train de donner on dirait les Ghanéens qu'on loue pour aller piler foutu dans les restaurants Ghanéens. Là. C'est comme ça que tu es en train de devenir. Oui, avec tout l'argent que tu as, hein. Nous, on est dans la pauvreté, on peut comprendre. On n'a pas l'argent pour payer les soins, les entretiens. Mais toi, ton mari a l'argent. Toi-même, tu as l'argent. Vous dites que vous avez Chaba Production. Tellement Chaba vous a produit, mais vous êtes devenu producteur. Et que tout le GM est là. Et que toi-même, quand tu vois, quand on dit, c'est dosé. Mais quand tu. Toi-même, faut voir, José. Mais quand tu mets 17 gaines, ça ne prend pas. Oui. Louvant ton drame mort, ton drame foufou, là. Quand tu mets 17 gaines, ça ne prend pas. Gaines même refuse ton ventre. Gaines, c'est-à-dire que toi et puis Gaines même, là, vous luttez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ta mesure de mettre. Tellement qu'il faut qu'on t'enroule, on dirait quelqu'un qui vient de... On dirait quelqu'un à qui sont de mes pansements. On a oublié de t'enrouler comme ça, on dirait la momie. Mais le ventre fait... Le ventre refuse. Tu n'as pas fait 3, hein, tu as fait 2. Maman, dans Shabba. Tu as fait Shabba, tu as fait Shabi, tu as fait 2 enfants. Regarde ton giga. Aline a fait 5 enfants. Quand tu vois certaines femmes aujourd'hui sortir, dit que Aline ne s'entretient pas, c'est pourquoi je serais de la laisser. Bon, maintenant José a fait enfant. On n'est qu'à placer Serge, on n'est qu'à placer Aline, on placer José. Il n'y a pas match. Elles ne sont pas camarades. Regardez bien José, femme bête. Elle a la forme bête naturelle. Oui, vraie femme de chez vraie femme. Ça n'a rien à voir avec la racaille, la pacotille que vous voyez là. Oui, c'est quand tu finis de faire enfant, on te voit maintenant, José. C'est maintenant qu'on voit qui tu es. Sinon, au début, c'est Zambélé. Non, là, tu n'avais pas encore fait enfant. Yannick, c'est maintenant, on prend tes photos. Et puis, on prend photo d'Aline. On met 5 enfants, 2 enfants. Et puis, on colle, on dit, venez voter. Oui, ton loup ventre qui est devant ton drap coumé, là. C'est maintenant, on dit, venez voter. Oui, puisette que tu as couroché sur toi. Si c'est bas des fois, si tu crois autant de tchala mon âme. Si tu viens faire varotoscope, si c'est Wozoa. Si maintenant, tu es une décoratrice, on ne sait même pas où tu te positionnes. Oui.
Tu veux que tu as venu embrasser Serré Dieu, c'est poulet. Toi, Serré Dieu, tu veux tu m'envoies au poulet. J'en suis devant, c'est ça qui est l'amour, quoi. Le fait de mouiller tes lèvres, moi, je te comprends, Serré Dieu, c'est les gens qui ne te comprennent pas. Regarde, depuis que tu es né, jusqu'à tu n'as jamais cru que tu pourrais sortir avec une artiste. Toi, ton cas là, moi, je comprends, c'est les Ivoiriens qui ne te comprennent pas. Sinon, moi, toi, ton cas là, moi, je te comprends. Et puis, je te comprends, frère. Je te comprends jusqu'à Las Calas. Mais depuis que tu as commencé à jouer ici à Oasis, jusqu'à aller jouer. Chose comme on appelle à Zonyekro, à Bawekro. Tu n'as jamais cru qu'un jour tu allais avoir une artiste et que tu allais mouiller la bouche. Donc toi tu es stupéfait, tu es dépassé des événements. Donc on peut appeler pour toi là, l'émotion. Mais toi José, c'est là que moi je peux comprendre. Oui, parce qu'on dit, chez nous on dit que quand Bangala est là, Bangala parle pas français. Bangala parle pas français. Bangala parle pas français. Quand Bangala se lève là, il peut même gifler sa main pour te donner. Pas, il veut rentrer. Donc dans ton cas là, on comprend. Tu comprends? Donc quand tu prends ton micro pour dire que j'aime Sérédier, c'est pas à cause de l'argent. Va dire ça au fou. José, va dire ça au fou. Mais les fous là, ils sont déjà fous. À Benjerville là, eux n'ont plus d'intelligence. Prends ton loup micro là. Oui, ton loup micro de la croix de Jésus là. Va un micro là dans le coin des fous là-bas. Et puis tu mets baf. Et puis tu dis, allô, allô, les fous de Benjerville. Allô, allô, vous allez bien? Voilà, je suis venu vous dire que je suis Sérédier. C'est parce que je l'aime naturellement. Est-ce que tu comprends le son? Prends ton loup micro et baf. Prends les chanteurs, les guitaristes, les pianistes. Et puis allez à Benjerville. Allez à Benjerville. C'est là-bas, ils ont besoin de vous. Là-bas, vous allez sensibiliser beaucoup de fous comme vous. Mais toi, ton sérieux, mais vous êtes taré. Ça dit que c'est deux dingos qui sont rassemblés pour se mettre ensemble. Il n'y a même pas un qui est intelligent que l'autre. Toi, sérieux, tu es trop arrivé. Mais maintenant, tu as tes deux pigeons que tu appelles poulet que tu élèves là. Tu vois que tu es trop au sommet de l'Himalaya. Respire. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu as la chance que tu es tombé sur une très bonne femme qui est Aline. Si moi et Alina, serait que tu as vendu ton baïka, ton slipo à pou, et que vous allez vivre des chabas production depuis ta femme. Parce qu'elle allait te montrer au procès toutes les preuves que j'ai, quoi. Chabas production va vous dégoûter. Et que vous allez vivre de la musique de José. Ah oui, vous allez vivre. Et que tu vas aller chanter Zambel élément, qu'elle vient, vous faites le point. Vous allez payer riz, vous allez payer piment, vous allez payer oignon, vous allez payer kuma, vous allez payer bambou, vous allez payer bleba, vous allez payer baoué, dans Zambel élément. Parce que c'est qu'elle te montre au procès. Si tu quittes sur moi, là, quand tu as une femme noire, là, tu as fui. Tu as fui. Même si tu n'es plus ta femme, tu lui dois respect. C'est la mère de tes 5 enfants. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Toi, tu as dit que dans 18 ans d'Aline, ou bien dans 20 ans d'Aline, là, toi, tu as pris 8 ans, tu n'as pas honte, José. Quand tu prends ton ventre, ton drep, on dirait père au père pour venir t'arrêter là. Oui. Louvant ton guidon de vélo là. Et puis tu viens t'arrêter. Voilà, c'est cela qui est rentré maintenant. Fais ce que tu avais. Puis nous, on avait dit, nous même nos gars, même quand ils te voient, quand tu dis, oui, la boucle est mougou. Mais maintenant, quand on monte ta photo, nos gars, ils disent, c'était en vente, pardon. Tu comprends? Tu vas même t'arrêter là, ton louvant ton drèche. On dirait cordelette des militaires là, tu as attaché sur ton aigle, ils ont fait formation. À chose, à comment on appelle ça même, à Zambakro. Tu as arrêté qu'on soit un ancien militaire qu'on vient de radier sans, c'est-à-dire que sans argument. Et puis on t'a demandé à son général, je t'ai fait quoi? Oui, je m'assume. Ça fait 8 ans, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. 8 ans de Tizamania, tu n'as pas honte. Moi, je pensais que c'est beauté qui mariait l'homme. Hein. Oui, avant, quand on dit que ma chérie, quand on parle de. Je pensais que quand tu es belle là, Dieu met tout sur ton chemin. Déjà, quand tu es belle aussi, tu es mendiante. Toi, tu as fait sport, tu es mon prof, non? Donc, tu sais ce qu'il est fait, chérie. Hein? Donc, dans ta beauté là, toi aussi, tu luttes, marier quelqu'un. Waouh, là, ta manière n'est pas facile, hein? On peut être lourd, artiste, musicalement prête comme ça. Et puis, mendier. Non, Aline, je te respecte. Oui, c'est dosé. Tu n'as pas honte. Hein? 8 ans de. C'est-à-dire que 8 ans de Pocléa anticipé. Et c'est en 7e année, on t'a reconnu. Waouh, tu as travaillé.
Non, le Kouetou a souffert, il a beaucoup eu la tort. Il a beaucoup eu même la souffrance. Eh oui. Dans toi, Seigneur. Et tu n'as pas honte hein, en tant que femme. Et je vois, il y a d'autres femmes qui te soutiennent dans ta bêtise. Moi, en tout cas, en tant que femme, c'est qu'ils vont me plaire, ils vont me faire ça, pas me plaire là. Ils vont pas être en train de faire ça, ma camarade femme, et puis elle est venue applaudir. Elle est venue me donner un genre. Elle est venue me faire un truc. On n'est qu'à prier pour elle. Son pasteur même l'a abandonné. C'est nous, on n'est qu'à prier pour elle. Son péché, nous, on est qui? Maman, c'est même mes péchés sont trop. Elle dit que hein, tant que ton affaire de foyer vient sur Facebook, nous, on en parle. C'est quand un temps, on avait oublié José qui l'a calculé. Personne ne l'a calculé. Personne ne calculait José, mais elle voulait qu'on se rappelle d'elle. En fait, José, même elle aime qu'on l'insulte. C'est vous qui ne comprenez pas sa stratégie. Sinon, le fait de prendre micro, comme si tu partais faire karaoké, venir t'arrêter, j'entends que tu fais trop les horloges à serrer, dire, tout ça, ça coûte, ça te donne, c'est pourquoi, en fait. C'est pourquoi on te lave, c'est pourquoi on parle de toi, vous ne comprenez pas. Ceux qui la défendent, vous n'avez encore rien compris dans le jeu de José. José voulait qu'on se souvienne d'elle. Oui, elle voulait qu'on se souvienne qu'elle a changé de forme, qu'elle n'est plus pareille, qu'elle est devenue comme un toupou qui a dormi. Elle est devenue comme cré-cré. Cré-cré qui a fait un mois dans vitrine. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle, c'est tout. C'est pourquoi elle est venue en maillot bouille de serrer devant nous. Sinon, José, là, elle-même, elle aime le bruit. Mm-hmm. Et quand elle voit d'autres femmes qui te soutiennent, moi, elles me font pitié. Elles font pitié. José même aime qu'on parle d'elle, c'est moi qui vous dis ça. Sinon, moi, elle n'aime pas qu'on parle de moi, ma vie de couple, là. Bon, le conseil, chanter à quoi avec déclaration d'amour. Ou bien sur le ticket, là, tu avais mis à la fin poésie. Non! Sur le ticket là, tu avais mis à la fin poésie. Peut-être qu'on appelle le ticket, venez me confirmer. Sur le ticket là, à la fin là, tu as écrit poésie. Parce que tu as fait, c'est de la poésie, c'est de la récitation. Oui, mon amour, c'est Dieu. Oui, oui, c'est Dieu aussi. L'ouvert, on dirait un préfet qui vient de gagner sa candidature. Il a arrêté, maintenant, deux drogues sur sa tête, on dirait Tintin. Oui, pas quitte là maintenant. On a les plus grands moyens de plaire. Bah, oui, Grémy maintenant. Il a arrêté aussi, lui aussi, il est tellement dépassé. Ouah, non mais ceux-là c'est des clochards quoi. Association de comédiens frustrés. On peut faire ça. Non, vous-même là, vous avez besoin d'huile. Elle dit que vous, on doit vous envoyer à Jérusalem. Et puis on vous plonger dans l'eau bénite là. Et puis on vous fait sortir. Oui. Mais vous êtes deux malades mentaux. Vous avez un problème psychologique. On doit vous envoyer chez un médecin. Le médecin va déjà voir votre crâne, votre cerveau. Et puis il va voir le disjoncteur qui pète là-dedans. Et à ta place, José, j'aurais attendu que le mari, comment on appelle, comment on appelle ça même, le divorce de Serré Dieu soit prononcé. Et là, je m'affiche. C'est ça, on dit une femme qui a de la dignité. C'est ça, on dit une vraie femme. C'est ça, on dit une femme capable. C'est ça, on dit une femme compréhensible. C'est ça, on dit une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est ça, on dit une femme qui est posée dans la tête. C'est ça, on dit une femme qui est mature. Oui, si tu m'aimes vraiment. Après ton divorce, on va s'afficher. Pour l'instant, un bébé, on a fait 8 ans dans le secret. Ça ne m'a pas fait mal. Ce n'est pas 2 jours là qui a me tué. Quand ton divorce est prolongé, le jour où il a présenté aux gens qu'on est ensemble, c'est que toi et moi, on est devant la mairie. Et puis, je salue. C'est mes os, c'est ma bague qui te dit qui je suis. C'est ça, on dit une femme qui a de la capacité. C'est ça, on dit une femme qui a de l'intelligence. C'est ça, on dit une femme qui a de la pudeur. Mais toi, tu n'as pas de pudeur, en fait. En fait, tu n'as plus personne devant nous. Nous, on ne te voit plus. Tu as gâché ton parcours. Toi-même, sans t'en rendre compte. C'est les les hypocrites qui viendront te soutenir. Sinon, les gens comme nous qui voient, nous, on voit la vérité, puis on parle. On ne peut pas te soutenir dans ta bêtise, en fait. Tu comprends? Tout le monde ici, on est déjà sorti un mari des gens. Léa, mon cas, comment tu vas? On est déjà sorti un mari des gens. On y va, mon amour, Léa. Ça va, non? On est là, sorti. Il n'y a pas de femme, là. Mais du moment où tu croises un gars, et le gars, il a déjà une go. Même si c'est go. Tu es deuxième bureau, tu es venu tomber. Le gars a une go. Mais quand le gars, même, tu le vois, et sa go, même, tu fais grand tout, même, pour ne pas qu'on sache que tu es là. Oui. Mais quand le garçon vient te mougou, là, il va te dire, oui. Toi, il vient d'interview. Toi, tu as dit que tu ne sais pas qu'elle serait dit, était mariée. Tu es choqué. En fait, tu te fous de notre gueule, quoi, José. En fait, tu es méchante, en fait. Tu es très mauvaise. Mais comme tu as des enfants. Comme tu as des enfants. Bonne arrivée, Fatou Sanogo, mon amour. Comme tu as des enfants, partagez, mettez les cœurs, sécurisez le direct. Excusez. Comme tu as des enfants, pause publicitaire. Pour avoir les produits de ma petite soeur Mimi Love, tous les contacts sont en haut.
Temona wa mea mort. Eh, bébé. Anglais là, c'est lourd, hein. Où me connaît. Français, mais il n'y a pas encore fini. Mais ou même, c'est difficile. Mm-hmm. Citron. Citron a fait quoi ici encore? Donc, ça, c'est les produits de ma petite soeur Milove. Elles vont les produits de différentes qualités. Teint clair, teint noir, teint marron, teint blanchissant. Pour avoir un teint clair, simple, tu rentres en contact avec elle. Pour avoir un teint marron, sans bouton, sans bruit, sans végétu, faut rentrer en contact avec elle. C'est vrai, la Saint-Valentin est passée. Mais tu peux toujours te rendre belle. Parce qu'une femme, faut être toujours séduisante. Pour toujours séduire ton chéri. Voilà, faut séduire tonton. Quand tonton même voit le teint comme ça, là, c'est déjà levé. Il va pas te laisser comme José. C'est déjà laissé Aline pour aller derrière José. Il ne va pas te laisser pour aller chez la pays go du quartier. Parce que quand lui, il y a tant même à son terre, son terre propre. Donc, pour moi, un client propre, veuillez contacter le numéro qui est en haut. Ou veuillez écrire directement à Mimi Love si les différents contacts sont restés en haut. On a des représentants au Maroc. On a des représentants dans différents pays. Et elle livre partout dans le monde entier avec DHL. Tu ne seras pas dessus. Voilà, c'est un peu ça. Donc, passez vos commandes. On a le lait, on a le savon, on a l'huile, on a le savon du visage. Elle a aussi les anti-kento, les anti-végétu, les phares. Elle a les produits pour ça. Voilà. Donc, je continue. On a nos boubous qui sont là, nos chic boubous. À moi de continuer, je vais vous présenter nos chic boubous. Voilà. Les chic boubous. Voilà, passez vos commandes. Aujourd'hui, je n'ai pas apporté de boubous. Voilà, on a les chic boubous qui sont là. Voilà, inbox, vous passez vos commandes de boubou. Voici le foulard. Voici les foulards. Voilà, les grands foulards. On a les très très grands foulards. Et puis on a nos chapeaux aussi qui sont là. Comme je vous l'ai dit. On a ce genre de chapeau. On finit d'après, on fait la publicité, puis on continue le live. On a ça en toutes couleurs. On a le noir, on a le vert, on a le rouge, on a le bleu. Donc, voilà, on a le chapeau, on a ce modèle-là qui est là. Voilà, que vous voyez. Passez vos commandes en inbox. Et on a ce modèle aussi. On a ce modèle-là. Oh, c'est trop waouh. On a ce chic petit modèle. On a ça aussi en noir. On a ça aussi en noir. On a ça en noir, en bleu. Et puis en vert. Vous voyez comment c'est chic. C'est un petit style bien chic. Voilà. Donc, passez vos commandes pour les produits. Voilà. Ok. C'est un peu ça. Donc, on a les deux différents types de chapeaux. Et puis, on a les boubous. Les différentes qualités de boubous. Voilà. Donc, comme je disais, on continue notre live. C'est pour dire à José et à ceux qui m'ont écrit hier. Parce que, écoutez-moi très bien. Moi, je n'ai rien à foutre de votre avis, au fait. Oui, il y a les différentes qualités. Il y a ce modèle. Il y a ce modèle. On en a de plusieurs modèles. Attendez, je présente les boubous. Oh là là. Tu vois, on a ce modèle aussi avec le tissu Addis Abeba. Le foulard, il est bien grand. Voilà, on a ce modèle aussi. Donc, on a un peu de tout. Vous voyez, on a un peu de tout. Voilà, donc passez vos commandes de boubou, les chic boubou. Voilà, les vrais boubou. Voilà, donc, où vous connaissez, inbox après. Santé, mais ça va bien. Dieu merci. Donc, comme je disais, vous qui rentrez dans une boîte là, vous dites non, tu fais André, toi, mais tu n'as jamais fait ça. Vous êtes jaloux de José. Vous l'enviez. Moi, je n'envie pas ma camarade. Ma vie me plaît tellement. Hey, ma vie, c'est un rêve. Parce que je sais de là d'où je viens pour être où je suis là aujourd'hui. Donc, ma vie, c'est un rêve. Ce que je vis au présent, c'est-à-dire que c'est le futur lointain de certaines personnes.
Tu comprends? Donc moi, je ne jalouse pas ma camarade femme. Je ne jalouse rien en elle. Il n'y a rien à envier chez José. Pour dire qu'on l'envie, je ne l'envie pas. Je lui dis ce qui est juste. Je lui dis ce qui est vrai. Je lui dis ce qu'une femme va lui dire. Je lui dis ce qu'une sœur qui l'aime va lui dire. Mais comme toi, tu es hypocrite. Et que comme toi, tu es mauvais. Et que comme toi, tu es sorcier. Tu as besoin de sa starmania pour te reconnaître là. Donc du coup, tu vois, tout le monde est en son ennemi. Tout le monde a une mauvaise personne. Parce que chez les hommes noirs ici, là, quand tu dis la vérité, là, automatiquement, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Moi, là, je ne suis ennemi à personne. Si je vois vert, je te dis que c'est vert. Si je vois bleu, je te dis que c'est bleu. Moi, ma vie, là, ça me plaît trop. Pour dire qu'elle envie la vie de quelqu'un. Voilà, je mange à ma faim. J'ai un toit pour dormir. C'est le plus important. Tu comprends? J'ai un toit pour dormir, j'ai ma maison. Dieu m'a fait grâce à mon petit. Il y a mes petits deux feuilles. Si je suis parti quelque part, il y a présenté, on dit que madame passait. Et ça me suffit largement. Donc, je n'en vis que dans à X ou Y. Je suis femme battante, oui. Même si je travaille, j'ai mon petit commerce à côté. Parce que je sais chercher l'argent. Je suis une femme qui aime chercher l'argent. Je suis habituée à chercher l'argent. Moi, je ne compte pas sur quelqu'un. Je ne compte pas sur garçon. Non, je compte sur la sueur de mon front. Parce que lorsque ça n'allait pas chez moi, ce n'est pas garçon qui est venu m'enlever dans ma souffrance. Non, je me suis battue à ma manière, comme je pouvais. Donc là, je ne l'en vis pas. C'est elle, elle a besoin de mari d'Aline. Sinon, elle va se suicider. Moi, je n'ai pas besoin de mari de quelqu'un. Hey, j'ai pas besoin de mari de quelqu'un pour vivre. Ça peut arriver que dans la vie, on dit jamais. Tu peux tomber sur le mari de quelqu'un, mais il faut savoir le faire. Oui, on demande à José de le savoir faire. On ne demande pas à José de laisser Jusserie dire non. On lui demande le respect. Parce que le respect, il est mutuel. Qu'elle respecte celle qu'elle a trouvée. Vous comprenez? Voilà. Et c'est que le comportement que José est en train d'avoir aujourd'hui là, ça va faire beaucoup de répercussions sur certaines personnes. Parce que comme c'est José, les gens trouvent que c'est un bel exemple. Mais si c'était un blogueur ou bien une star que vous n'aimez pas, là, vous allez venir vilipender cette personne sur la toile. Parce que vous n'aimez pas cette personne. Parce que vous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, tout ce que la personne fait, que ce soit bien, que ce soit mauvais, vous voyez, c'est un diable. Et ça là, c'est votre problème, c'est vous qui voyez. Donc arrêtez de me dire en une parce que oui, senti tu es jaloux. Hé, hey, ma chérie, moi je ne coupe pas derrière foyer. Tu comprends? Moi, je me marie pas pour faire plaisir aux gens. Lorsque mon temps de me marier va arriver là, Dieu va emmener ma personne. Dieu va dire à mon mari, à mon gars, ma chérie, c'est le maintenant de marier ta femme. Ou bien c'est maintenant de faire ceci, de faire cela. La vie n'est pas une course. La vie qu'on vit là, ce n'est pas une course. Et moi, je me suis toujours dit, ce qui a fait ma force, ce qui m'a fait tenir jusqu'à présent, je me suis dit, je ne suis en concurrence avec personne. C'est ça, moi, ma force. Je me dis toujours, moi, Laura, là, je suis en concurrence avec personne. La vie n'est pas la concurrence. Quand tu es en concurrence avec les gens, tu souffres. Parce que tu veux tout tellement ressembler aux gens que tout ce que ces personnes-là te font, là, ça te fait mal. Parce que tu veux être comme eux. Oui, oui. Oui, oui, grâce Kelly. Le boubou, le foulard, il est grand. Attends, je te montre. Si tu es skinny, tu vois, ça c'est le foulard. Tu vois, tu peux attacher, faire tes petits trucs, tu vois. Voilà. Donc, moi, ce qui m'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit que Laura, la vie que tu as dedans, tu n'es en concurrence avec personne. Oui, je ne suis en concurrence avec personne. Tu comprends? Je ne suis en concurrence avec personne. Lorsque Dieu me bénit, je lui dis merci. Lorsque Dieu me rend grand, je lui dis merci. Ma vie n'est pas un exemple, mais ce n'est pas aussi un échec. Oui, parce que de la perdue de ma famille, je suis aujourd'hui la retrouvée de ma famille. Oui, la seule que son téléphone ne sonnait pas. Aujourd'hui, mon téléphone sonne. Oui, la seule qui dit, qui choisit à qui elle veut parler. La seule qui dit ce qu'on doit faire, puis on fait. La seule que son père appelle aujourd'hui pour prendre des décisions. Oui. Et je remercie Dieu pour ça. Parce que je n'aurais jamais cru qu'un jour, j'allais être à cette place. Et que moi, aujourd'hui, là, j'allais être le pilier de ma famille, de mon père. OK? Donc, je n'envie pas la vie de José. Elle n'a rien envié. Moi-même, que tu vois, on m'envie aussi. On m'envie aussi. Tu comprends le truc? Voilà, donc, arrêtez vos banaleries, vos bêtises allumées, vos conneries, c'est-à-dire que
Vous vous soutenez dans la bouabaisse. Relevez-vous. Ah oui, tu peux, maman. Tu peux. Moi, je suis un peu informée. Voilà. Tu vois, mais si tu es, tu peux, tu vois. Tu peux. Moi, je suis un peu en forme. Je ne connais pas ta forme. Mais on peut. Tu vois, on peut. Voilà ça. On peut. Voilà, on peut, tu vois. On peut. Voilà. Tu as vu, on peut. Donc, c'était mon message que je voulais véhiculer à certaines perdues, à certaines cinglées, à certains, c'est-à-dire à certains malades mentales qui se promènent dans les inbox des gens pour penser que tu es jalouse, tu es ceci. Josée enfant, elle a fait 2, j'ai fait 3. Tu comprends? Josée a fait 2, j'ai fait 3. Elle est artiste, je suis vidéomane. Hey, chacun sa stamania. Moi aussi, quand je sors, puis on me dit, ma star, oui. Oui. On m'appelle aussi ma star. Oui. Tu comprends, non? Elle est star. Moi, mais je suis star à ma manière aussi. Oui, mais qu'elle prend Paris là comme ça, là. Je suis star de quelqu'un. J'ai des gens aussi qui m'aiment. Mm-hmm. Donc, je n'ai rien envié à José. Bonne arrivée, une belle bébé, mon amour. Je n'ai rien envié à José. Je ne vois pas ce que je veux envier ciel. Non. En vent, elle avait quelque chose à envier parce qu'elle avait un potentiel. Elle avait quelque chose de fort. Elle inspirait quelque chose. Elle inspirait l'agence féminine, surtout dans le côté musical, parce qu'elle était tellement bien. Mais maintenant, là, il m'en fout. Je n'en vis pas, José. Tu comprends? Voilà. Donc, quand on parle à José, ce n'est pas parce qu'on l'envie, mais ce n'est pas parce qu'on la déteste. On lui dit nos ressentis en tant que femme. Et vous qui la soutenez dans la bêtise, courage à vous. Bonne chance pour vos nouvelles idées. Sur ce fameux, je vous ai dit, maintenant, on ne va plus faire les directs longs. Mais quand le direct est long, quelqu'un vient après pour écouter, ça lui donne la paresse. Donc, on va faire les directs de au moins, voilà, 36, plus grand à 40, pas plus. Donc, sur ce, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Que Dieu veille sur vous, qu'il prenne bien soin de vous, vous et vos familles, qu'il protège vos maris pour éviter de trouver les chouettes comme José. Oui, les femmes, c'est-à-dire que les anciennes bouclées comme José qui viennent s'agripper au foyer des gens. Que Dieu protège vos maris. Que quand vos maris voient les femmes comme José, que Dieu même les rend aveugles. Et qu'ils continuent son chemin et son boulot. Voilà. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous aime gros comme ça. N'oubliez pas de passer vos commandes de produits chez ma petite soeur Mimi Love. Voilà. Ne riez pas, c'est vrai. Oh. Quand la femme comme José passe, elle devient aveugle. Quand elle quitte là, il retrouve la vue. Mm-hmm. Donc, inbox pour passer vos commandes. Voilà, les livraisons sont très rapides. Vous recevez vos colis sans problème. Partout dans le monde, je livre. Voilà, soutenons-nous vivants, c'est important. Voilà, nous, nos pages ne sont pas monétisées, comme vous le savez si bien. Il n'y a pas de vidéo qui passe. Il n'y a pas de publicité. Mes pages ne sont pas monétisées. Il n'y a pas d'étoiles ici. Voilà. Donc, on se met dans le commerce. Et...